dernier jour du Brewer Christmas QV 2021. Comme vous l'avez vu dans ma vidéo précédente début d'octobre, j'ai changé un peu les règles, donc c'est vous qui me posez les questions. Bah oui, donc au lieu de faire une FAQ qui dure des vidéos d'une heure, je me suis dit, coup de Greg, on va faire une personne par vidéo, comme ça au moins ça plisse le temps de la personne de poser des questions, d'y répondre vraiment un peu plus en profondeur. Mais avant ça, comme vous l'avez vu dans la miniature, on va déguster la bière du jour, on est dans le Brewer Christmas quand même. Comme vous l'avez vu, c'est la lèvre d'hiver, donc une bière m'a forcément qui se retrouvait dans mon frigo, une bière de 6,6 degrés. Les pyrénées depuis quelques jours à l'heure où je tourne, mais c'est pas trop grave, il y a 5-6 jours de différence, ça va être buvable. Donc les ingrédients, c'est de l'eau, du malt d'orge, du maïs, du sucre, l'épice, un sel d'orange, graines de coriandre, houblon. Donc voilà, il n'est pas marqué plus sur cette bouteille, donc elle est consignée, hein, elle est brassée à la brasserie InBev. C'est la brasserie InBev, donc qui est aussi la Jupiler là-bas, si je dis pas de bêtises. Normalement, l'abbaye se trouve à l'abbaye de Leff, près de Dinan. Que dire de plus? Je ne sais pas dire de plus, ainsi quelques petites informations en plus qui se trouvent sur Internet sur cette bière. Donc mon ordinateur se trouve là, donc je vais tourner la tête comme ça. Hop, hop, le poupon il tourne, le poupon il tourne. Les arômes, c'est caramel épicé. Saveur caramel, agrumes fruités et épicés. Sensation en bouche, arrière-goût complexe, chaud et doux. Type fermentation haute. Couleur brun rouge apparemment. Teneur d'alcool, j'ai déjà dit 6,6 degrés. Amertume faible. On a dégusté à 8 degrés, enfin elle est un peu plus fraîche. Parce que moi, comme vous le savez, je préfère boire les bières un peu plus fraîches. Et pour plus d'informations, la bière d'hiver Leff a beaucoup de saveur et un faible pourcentage d'alcool pour une bière d'hiver. C'est vrai que pour une bière d'hiver, c'est vraiment assez faible, mais on va commencer faible parce qu'après des bières qui vont taper un peu plus costaud, donc on va faire doucement, doucement, hein. Donc on va déguster ça tout de suite. Donc clairement, c'est une bière brune, comme vous pouvez le voir, avec le verre Leff, hein. Toutes mes dégustations, je pense qu'ils vont se faire avec le verre Leff. Ça aussi, j'ai le verre. Hein. Et je sais pas si on voit la caméra, dans le fond du verre, c'est un peu plus clair. Donc voilà. Allez, santé! Voilà, c'est une bière brune, on sent bien que c'est une bière brune. Elle est pas mauvaise. Même si je suis pas trop fan des Leff, là vous avouez que elle passe bien. Elle est pas mauvaise du tout. J'ai l'impression qu'on sent un arrière-goût de Jupiler. Après, c'est ma sensation à moi, mais on sent un peu que ce soit une bière brune. Les amateurs de Leff vont certainement bien l'aimer. En plus, une glace d'hiver, comme il fait froid, ça passe bien quoi. Je vois pas une petite goutte. Et pour la note, bon, on va noter les petites bières. Pour la note, je vous la fais à du 6 sur 10. Je trouve que c'est mérité. Peut-être pas plus, mais un petit 6 sur 10, ça le vaut le coup, quoi. Donc, franchement, je vous la recommande quand même. Elle est sympathique. Et je vous prends une petite goutte. Alors, pour ce Brewer Christmas spécial FAQ, c'est Gatskutz. J'espère que je prononce bien ton pseudo, l'ami. Qui va ouvrir le bal? C'était le premier, donc honneur à lui. Donc, Gatskutz, c'est une petite chaîne YouTube. Et il présente des petits jeux vidéo. J'ai vu quelques jeux vidéo sur le Master System. Donc, si vous connaissez pas sa chaîne, allez vous abonner. Hein. Mais avant de vous abonner à sa chaîne, écoutez ce que j'ai à dire. Qu'est-ce qu'il me dit de beau, mon Gatskutz? Salut Greg! Alors, c'est parti! Quel est ton jeu vidéo préféré, toute console confondue? Pour les plus anciens, vous le savez, c'est Super Mario Bros. 3, hein, qui c'est vraiment mon jeu préféré. J'ai d'ailleurs fait un petit let's play complet, donc en plusieurs vidéos sur ce jeu. Si c'est pas encore fait, allez voir cette vidéo, enfin ces vidéos, parce qu'il y a plusieurs vidéos, pour qu'on ne voit pour soi pas trop long. Donc voilà, moi c'est Super Mario Bros. 3. J'adore ce jeu, à l'époque j'y ai passé des heures, j'essaye de le refaire au moins une fois par an, chaque fois je le finis forcément, parce que tout simplement c'est un jeu qui est pas trop compliqué, qui est accessible à tout, et le fait qu'on puisse se promener sur la map c'était vraiment très sympathique pour l'époque, et encore maintenant je trouve ça très sympathique, et le fait des nouvelles fonctionnalités sur Mario qui puisse voler et tout, franchement c'est mon jeu préféré. Quel est ton jeu vidéo le plus dur que tu as joué jusqu'à maintenant, toutes consoles confondues? Alors, il y en a plusieurs. Alors, je dirais Super R-Type sur SNES. J'ai d'ailleurs aussi fait une vidéo là-dessus. Je passe même pas le premier niveau. C'est vraiment un jeu de shoot vraiment très exigeant et je le trouve vraiment très très dur. Comme je l'ai dit, hein, j'ai pas passé le premier niveau. Mais il est vraiment très dur, je trouve. Enfin, en tout cas, mon niveau à moi, il est vraiment très dur. Et Probotector sur Game Boy dans le même sens. C'est vraiment pas mal aussi. Il est vraiment compliqué aussi. Mais Super R-Type sur SNES est vraiment très compliqué. Donc si vous aimez les défis, faites ce jeu-là. Quelles sont tes 3 bières préférées? Alors ça c'est compliqué de faire un top de 3 bières préférées. Peut-être que je vais faire un top aujourd'hui et demain sera un autre top. Mais pour te faire plaisir. Donc au numéro 3, on va retrouver la Goldenberg de la brasserie de Rank. Numéro 2, la Bûche triple blonde de la brasserie de Buisson qui est vraiment très bonne.
Et mon top 1, c'est la paix de Dieu. Comme d'habitude, hein, moi c'est vraiment une bière que j'adore de la brasserie Collier. Et franchement, je vous la recommande, elle est vraiment très bonne, elle tape bien, elle est un peu traître, mais elle est excellente. Donc voilà, ça c'est mon top 3 des bières en ce moment, hein, parce qu'elles sont vraiment très très bonnes. Quelle est ta série toujours confondue préférée? Ma série préférée toujours confondue, je vais dire Friends, parce que j'ai commencé à regarder ça quand j'étais adolescent, et franchement, c'est encore maintenant, je peux encore regarder ça tranquillement, c'est vraiment une bonne série, j'adore. Indémodable, je pense que tout le monde connaît Friends, hein, je vais pas faire un résumé de Friends, mais c'est vraiment une bonne ambiance, un bon humour, en tout cas moi j'adore, donc ça m'étonnerait que vous avez pas encore vu, mais si vous avez pas encore vu cette série, bah allez voir sur Netflix, je pense qu'elle est encore sur Netflix en ce moment. Quel est ton manga préféré? Alors je suis pas trop manga, j'en ai un que j'ai lu tout au bout, c'est Dragon Ball, j'adore Dragon Ball, donc est-ce que c'est vraiment un manga? Je vais dire oui, donc j'adore Dragon Ball, donc je vais dire bah Dragon Ball, hein, j'ai rien lu d'autre. Si, j'ai lu deux autres de manga, mais j'ai pas trop accroché, donc. Qu'est-ce que tu écoutes en musique? Qu'est-ce que j'écoute? J'écoute un peu de tout, sauf du rap R&B, hip-hop et tout ça, ça j'aime pas. Mais sinon, j'écoute beaucoup de rock, hard rock, metal, j'aime bien écouter Nirvana, Metallica, Scorpion. Voilà, je suis dans ce truc-là, Rammstein, j'aime bien aussi, Magoyond, un groupe qui n'existe plus qui s'appelle Socrade, un petit groupe moucrounois, coucou si les gars de Socrade vous regardent, un petit coucou à vous. Ils faisaient vraiment de la très bonne musique, malheureusement, bah, ils ont arrêté le groupe, mais si vous connaissez pas, tapez Socrate, vous allez trouver au moins deux chansons à eux sur YouTube. Voilà, aussi, j'aime bien Ma Création, qui font vraiment de la bonne musique aussi, qui est pas encore très connue. Mais j'écoute vraiment tout, et je suis vraiment très fan de Kali, le chanteur Kali, même s'il est pas très connu, mais j'adore, j'étais de voir plusieurs fois des concerts de lui, et j'aime bien, et j'écoute de la musique française, ce qui se passe à la radio, mais pas trop non plus, hein, parce que c'est toujours la même chose qui passe à la radio. Mais voilà, donc j'écoute vraiment de tout, sauf du rap, R&B, pop et tous ces machins-là, j'aime bien quoi. Dans quoi est-ce que tu travailles? Alors, je suis éducateur dans un foyer pour des jeunes placés, donc il y a la moitié de nous qui sont pour les Belges, l'autre moitié pour les Français, donc j'ai l'habitude de travailler avec la France. Donc voilà, je suis éducateur dans un foyer pour des enfants placés, entre 5 et 16 ans en ce moment. C'est le groupe qu'on a, donc on a 18 jeunes. Voilà, c'est mon métier, que je fais ça depuis 10 ans, je suis là depuis 10 ans dans cette boîte-là, ça commence à faire partie des meubles maintenant. Est-ce que tu possèdes des animaux? Si oui, lesquels? Oui, j'ai un chien, elle s'appelle Tessie, donc un Jack Russell qui a été croisé avec un terrier. C'est bien speed, j'essaie de mettre une photo quelque part sur la vidéo de notre petite Tessie, petite, mais elle est fort accaparante, c'est un chien hyper speed, enfin c'est une chienne, c'est une femelle, Tessie forcément. Et hyper speed, ceux qui sont venus à la maison, vous l'avez vu par vous-même, et hyper speed, elle est pas méchante, mais voilà quoi. Faut savoir supporter ça tout au long d'une journée. Penses-tu tenir un an sans consommer de bière? Oui, hein, parce que je vais faire plusieurs jours, voire des semaines, un mois sans boire de bière. Un an, pourquoi pas, je buvrai du vin à la place et du Porto. On va compenser, hein. Mais voilà, un an, sincèrement, j'adore déguster des bières, donc pour la chaîne, ça va être un peu compliqué. Mais s'il n'y aurait pas la chaîne, oui, hein, c'est sans problème, je peux tenir un an sans boire, ça c'est pas un problème pour moi du tout, hein, parce que je fais vraiment de la dégustation, donc c'est vraiment un plaisir, c'est pas pour mettre une rafale, hein, clairement. Quelle est la console de jeu que tu aimerais posséder? Qu'est-ce que j'aimerais posséder comme console? Il y a beaucoup de consoles que j'aimerais posséder. Je veux dire une PS5 parce que je l'ai pas encore et bah, elle me tente bien. Elle commence à avoir des jeux qui vont être intéressants, qui vont commencer à sortir. Donc bon, une PS5, allez, soyons foufous. Aussi, si je dois faire dans le rétro, la Sega Saturn, je la cherche partout, je la trouve pas. Ça aussi, c'est une console que j'aimerais bien posséder, que j'ai pas encore malheureusement. Mais je la trouverai bien un jour, hein, ça je m'inquiète pas du tout. Et dernière question, crois-tu au paranormal? Non, franchement, je ne crois que ce que je vois, donc tout ce qui est paranormal, je ne crois pas du tout. Pour moi, toutes les vidéos qu'on voit sur internet, c'est du fake, on peut être du montage maintenant, on peut faire tout et n'importe quoi. Donc je verrai, je vais y croire, pourtant je m'intéresse, hein, ça, je regarde un peu, par exemple, le Grand JD, hein, qui fait des vidéos intéressantes sur le paranormal, mais voilà... J'y crois pas plus que ça. Donc voilà, Katkutz, je te remercie d'avoir posé tes questions hyper intéressantes. Je vous remercie à tout le monde d'avoir regardé cette vidéo. Mais avant ça, on va finir déguster la petite bière. Voilà, passe bien. Sympatoche comme une petite bière. Je voudrais regarder plus souvent quand je vous parle, hein, parce que parfois je parle, je suis là comme ça, c'est pas très intéressant. Enfin bref. Alors les gars, j'espère que ce premier jour de Black Christmas, vous avez aimé. N'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut, hein, un petit commentaire qui fait plaisir, comme à chaque fois j'essaie de répondre au plus vite. Le top du top, c'est vraiment bah, que tu partages la vidéo, ça me ferait vraiment plaisir, et que tu les regardes au moins entièrement, hein, parce que sur les vidéos, il y a des petits malins qui font « Ah, bien joué, je réponds »,
Mais après, ils répondent même pas parce que bah, c'est gris qu'ils regardent pas entièrement les vidéos. Ça, c'est vraiment chiant, quoi. Prenez au moins le temps de garder un peu de respect pour les gens. Bon, je vais pas m'attarder là-dessus. Je vais vous laisser. Donc, moi, je vous dis à demain pour la suite des événements. Et salut, Chess!